on apprend qu'Alger a refusé à la France une autorisation de survol de son territoire pour mener une opération militaire au Niger. Les précisions sur place de Faisal Metaoui. L'Algérie a refusé une demande française de survoler son territoire puisque l'Algérie a des frontières avec le Niger, c'est à peu près 1000 km et ce refus est visiblement indiscutable puisque l'Algérie a condamné toute intervention militaire au Niger et elle a regretté par la voix du ministère des Affaires étrangères que le recours à la violence ait pris le pas sur une solution politique. L'Algérie considère qu'une intervention militaire dans la région sera porteuse de problèmes plus que de solutions et elle a cité donc les précédentes interventions militaires. C'est la deuxième fois que l'Algérie interdit le survol des avions militaires français de son territoire. La dernière fois, c'était en octobre 2021, après la crise diplomatique avec Paris, après la déclaration du président Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie. L'Algérie a condamné le coup d'état militaire à Niamey, mais elle a appelé à une solution politique négociée pour mettre fin à la crise. Cela a été rappelé à un émissaire de la CEDEAO qui a visité l'Algérie ces derniers jours pour qu'il n'y ait pas donc une intervention militaire de la CEDEAO qui soutient donc cette solution pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans son pouvoir à Niamey.